Et chers les amis, aujourd'hui je vais vous présenter des designs de voitures et de véhicules en général. Allez, place à l'entrée. Alors dans cet épisode, du coup, je vais vous présenter des véhicules et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like si vous aimez cette vidéo. Alors, ces petits véhicules m'ont pris un peu de temps à regrouper puisqu'il y a énormément de designs sur internet. J'ai quand même réussi à en placer un mois. Alors il est extrêmement moche. Il y en a deux, remarque, il y en a deux. Donc voilà. Donc c'est un total de presque 8 véhicules, à peu près, 8 ou 7 véhicules, que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors du coup nous avons une petite voiture qui va assez vite, qui elle, ah merde j'ai oublié de mettre le minecart, effectivement alors ce véhicule là c'est l'un des seuls où on peut y mettre un minecart, du coup rentrer dans son véhicule. Donc voilà, comme vous pouvez voir en plus de ça c'est assez luxueux. Du coup avec, comme vous allez voir, tous les véhicules sont équipés de phares, de plaques d'immatriculation et de feux arrière avec plaque d'immatriculation à l'arrière, effectivement. Donc voilà pour ça. Ils ont à peu près tous des rétroviseurs aussi, à peu près. Je crois que j'ai oublié les derniers là, mais en même temps, allez, on va faire celui-là, hop, parce que c'est vraiment assez simple, hein. Voilà, tac. Donc du coup, une voiture qui va assez vite, bon, elle se déplace à 0 km/h, même pas 1 mètre par heure, hein, comme tous les véhicules qui sont là. C'est vraiment des trucs qui sont là pour faire décorer votre ville si vous faites des villes. Alors cette ligne là sont des véhicules impairs, il y a aussi un véhicule, deux véhicules impairs là, parce que les véhicules pairs, pourquoi faire des constructions pairs? Ça sert à rien, c'est super moche. Voilà, c'est dit, c'est fait. J'ai fait une petite camionnette, excusez-moi, j'ai fait du coup une petite camionnette assez stylée, voilà, donc c'est vraiment design à moi. On peut rentrer dedans, mais j'ai pas mis de porte, donc c'est un peu con. On pourrait même l'améliorer en faisant ça, chers amis. Voilà, donc en mettant vraiment des vitres, plus de vitres en fait, beaucoup plus de vitres, mais bon, faut bien que la voiture elle tienne au bout d'un moment, parce que sinon si on met trop de vitres, les vitres vont casser. Passons du coup à une petite camionnette qui a été faite, du coup le petit camion, pardon, gros camion, excusez-moi, il manque même un petit détail, on va le mettre ensemble, voilà. Donc du coup, le petit camion, assez simple, alors, il faut savoir que ce design, j'ai même pas regardé les vidéos, j'ai juste regardé et c'est extrêmement simple à refaire, hein. Tant que vous savez c'est quoi un bloc. Ça suffit. Donc voilà. Donc, bon, vraiment le plus difficile, ça a été celui-là. Mais en général, ils sont assez simples. Donc voilà pour ce petit camion avec le petit pot. Parce qu'effectivement, les fans se passent dans les pots. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, j'ai changé d'armature. Mais c'est normal, en même temps, c'est un camion. Donc du coup, avec sa petite remorque. Alors, les remorques, vous les faites comme vous voulez. Franchement, c'est extrêmement simple. Vous faites un pavé et vous rajoutez l'armature qui est blanche là. C'est tout avec n'oubliant pas ça. Donc voilà pour ce design. Du coup avec la petite trappe derrière, toujours les feux arrière. Par ici hein, les feux arrière et par là les feux arrière. Donc voilà, toujours les phares avant, sauf du coup pour la remorque parce que on va pas mettre des phares avant sur une remorque. À quoi ça sert entre nous? Non, ça sert à rien. On est d'accord. Donc du coup voilà. Pour suivre un camping-car, effectivement les camping-cars c'est toujours marrant à voir, donc voilà un petit camping-car, assez simple en plus à faire. Bon, il est vide, je ne l'ai pas meublé parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, hein. Le but c'est de vous présenter les bâtiments, des designs, vous les personnalisez comme vous le voulez. Hein, je ne vais pas faire tout le boulot à votre place non plus, hein. Bon, si, peut-être parce que je vous apprends tout. Bon, bref. Passons du coup à la petite voiture assez stylée, voilà. Voiturette, non, voiturette, elle est là-bas, la petite voiturette. Voilà donc la petite voiture assez, je dirais, américaine, ou je sais pas, mais voilà, assez stylée. Du coup, avec toujours ses feux arrière. Alors, ces deux constructions-là sont paires. Je les ai quand même mises, mais ils sont paires, donc. Au cas où, si vous faites des routes paires. Bon, là, c'est des routes de 5, en revanche. Hein. Voilà. Donc, du coup, ce qui sont assez simples, quand même, à réaliser. Ensuite, des petites motos. Effectivement, les petites motos, donc du coup, j'en ai mis deux parce que c'est des motos, donc on s'en fiche. Comme vous pouvez voir, on peut vraiment les coller. C'est ça l'avantage, c'est que du coup, on peut les coller. Ça fait des trucs super jolis. Donc, après, bon,
Les blocs orange, vous pouvez les changer. Les blocs de quartz, vous pouvez les changer. Les blocs noirs, vous pouvez pas les changer. Les boutons, vous pouvez, si vous voulez, mais voilà. Parce que les blocs noirs, c'est les pneus. Donc, si vous changez les blocs, c'est pas top. Sauf si vous avez un autre noir particulier. Donc, pour finir cette vidéo, nous avons les petites voiturettes. Du coup, avec son petit phare à l'avant, la petite voiturette de golf. Hein, et en plus de ça, on peut rentrer dedans, c'est à l'avantage, et s'asseoir. Voilà. Je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. Hein. Donc voilà, donc toujours avec ses petits phares arrière. Voilà les amis, cette vidéo s'achève ici et maintenant. Du coup, n'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de partager et de commenter. Ça permet d'être plus vu sur YouTube, il me semble. Bah déjà, c'est déjà bien si vous faites ça. Mais je préférerais que vous abonniez parce que j'aimerais juste dire hashtag 100. Voilà, pour ceux qui comprennent. Hashtag Gossan même, c'est beaucoup plus précis. Et n'oubliez pas du coup de vous abonner si vous voulez connaître plus de choses sur Minecraft au niveau des décos. Puis ça s'arrête là. Moi j'ai juste une dernière chose à vous dire, n'oubliez pas le build, c'est bien. Et à la prochaine.